Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Les municipales 2020, clé en main, vous en rêviez ? Monsieur Green le réalise pour vous. Et oui, la nouvelle année a sonné la course aux municipales, un événement nerveusement difficile au niveau médiatique, auquel nous sommes soumis jusqu'au mois de mars. Aussi, plutôt que de fuir ce brouhaha intempestif, il est réellement temps d'affronter la réalité de notre système qui revient tous les 6 ans. Il est intéressant d'en extraire les enjeux, de mettre à terre la propagande et de se préparer sereinement à une élection qui peut être décisive dans l'avenir de nos territoires. Pour cela, il est impératif de comprendre le rôle des représentants de la commune et leur impact sur notre environnement direct, mais également le contexte économique, social et écologique dans lequel nous nous trouvons pour faire le bon choix. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'un bon choix ? À l'heure de la fragmentation de notre société, le bon choix semble être réservé à celui qui apporte un projet enviable pour la majeure partie des citoyens, éclairant l'avenir et sécurisant le parcours de chacun. Au XIe siècle, la commune apparaissait, un siècle plus tard, c'est la naissance du maire. De son apparition à nos jours, le maire a suivi l'évolution des institutions au cours de l'histoire française. De l'Ancien Régime, où son rôle décline suite à la guerre de Cent Ans, il faudra attendre 1789 et la Révolution française pour voir sa fonction être réhabilitée au sein de la cité, avec une élection au suffrage direct pour 2 ans et rééligible par les citoyens actifs de la commune, soit les contribuables payant une contribution au moins égale à 3 journées de travail dans la commune, sont éligibles ceux qui paient un impôt au moins équivalent à 10 journées de travail. Aujourd'hui, les élections municipales sont renouvelées tous les 6 ans. Elles permettent d'élire les membres du conseil municipal de chaque commune. Ces conseillers municipaux élisent en leur sein le maire qui préside le conseil municipal, ainsi que les adjoints au maire. Maire, conseil municipal, quelle fonction pour quelle utilité ? Tout d'abord le maire. Il est élu par le conseil municipal tous les 6 ans. Ce vote peut être effectué de différentes manières par le conseil, tirage au sort, à l'unanimité, au nombre de voix. Assisté dans sa tâche par des adjoints eux-mêmes élus, il est à la fois un agent de l'État et un agent exécutif de la commune. Pour être maire, vous devez remplir ces conditions. Être majeur, avoir la nationalité française ou la citoyenneté d'un État membre de l'Union européenne, être un électeur de la commune où il se présente au suffrage, ou y être un contribuable, avoir l'entièreté de ses droits civiques, ne pas avoir été frappé de quelconque interdiction, condamnation ou état de faillite. Sous sa première casquette d'agent de l'État, le maire agit sous la tutelle du procureur de la République et sous l'égide administrative du préfet ou du sous-préfet. Il garantit ainsi l'officialisation des signatures, la tenue des élections, la publication des lois et des réglementations. En tant qu'officier d'état civil, il doit également enregistrer les naissances, les décès et célébrer les mariages. Il dispose également avec ses adjoints d'un pouvoir judiciaire lui permettant d'ouvrir des enquêtes. En tant qu'agent exécutif territorial, il assume l'exécution des décisions du conseil municipal, la préparation et l'exécution du budget, la gestion du patrimoine communal, la conclusion de marchés et la signature de contrats et la représentation de la commune devant la justice. Bien évidemment, le maire est le supérieur hiérarchique de l'ensemble des agents communaux et dispose ainsi du pouvoir d'organiser les services communaux comme il le souhaite. Sous l'égide du maire résident donc des conseillers municipaux, qui ont pour la plupart une couleur politique. C'est d'ailleurs ces orientations qui sont généralement plébiscitées par les électeurs. Aussi en retour, les électeurs attendent le respect des promesses engagées, défendre leurs opinions et répondre à leurs besoins. Bien évidemment, son rôle premier est de satisfaire l'ensemble des citoyens de la collectivité sans favoriser aucun intérêt particulier. Si une plainte individuelle est déposée, il devra y répondre conformément à la politique municipale et sans nuire à l'intérêt général.
Son rôle au sein de la municipalité est de voter le budget préparé par le maire et les services municipaux, d'approuver les comptes de fin d'exercice, de décider des travaux communaux, de gérer le patrimoine communal et d'aider au développement économique de la ville. Voilà l'équipe pour qui nous allons prochainement voter, un groupe de personnes entièrement dédiées au bien-être commun. La clairvoyance que nous avons sur l'état actuel de nos institutions rend notre choix assez difficile. Les conflits d'intérêts, le copinage, le mensonge, les effets de discours, les étiquettes politiques, tout semble nous barrer le chemin de la transparence nécessaire pour un vote objectif et en conscience. Aussi déjouons les pièges tendus. Le premier est individuel et se situe au niveau de l'émotionnel de chacun, de la perception et des opinions que nous nous faisons du monde. Par exemple, je suis salarié, je travaille, je souhaite concrétiser ma vie avec l'achat d'un bien immobilier, que je lèguerai à mes enfants, je veux avoir tous les services publics à proximité. Ou bien encore, je suis commercial international et je parcours le monde à la recherche de contrats pour une grosse boîte et mon kiff, c'est d'avoir un port d'attache dans chaque pays du globe, le reste, je m'en fiche. Encore un dernier exemple, je suis bénévole et l'action que je mène me comble entièrement. Bref, nous pourrions faire le tour du profil de tous les Français. Nous nous rendrions compte qu'ils sont tous singuliers et que le futur imaginé dépend de la condition socio-culturelle de l'individu. Le problème à cette individualité est d'être capable de désigner une équipe municipale et un maire qui soit capable de répondre à toutes les demandes citoyennes parce que l'enjeu est bien là. Nous savons aujourd'hui que les inégalités creusées, la destruction continue de notre environnement sont entièrement liées au système ultralibéral en place qui privilégie le consumérisme individuel mondialisé au respect des biens communs nécessaires à l'humanité. Aussi, essayons de nous concentrer sur ce qui va satisfaire le plus grand nombre et trouver ce consensus entre nos envies et celles des autres. Nous vivons en société et non isolés dans les bois, du moins à ce jour. Bien évidemment, il ne s'agit pas de sujets futiles, mais de ce qui gravite autour du commun, comme l'éducation, la santé, les services, l'emploi, la mobilité, les énergies et bien d'autres. Ensuite, il suffit de lire les programmes des différents candidats et les propositions faites sur ces thématiques sociales. Instinctivement, votre individualité va se diriger vers un programme qui touche votre sensibilité. Entre conviction personnelle et bien-être commun, le bras de fer commence, ce qui est complètement normal, mais n'oublions pas qu'élire une équipe censée diriger l'ensemble des citoyens, c'est répondre au mieux aux besoins de chacun. Pour trancher et échapper à nos inspirations individuelles et donc non productives en termes de démocratie, il suffit ensuite de faire une capture d'écran du contexte actuel. Se gonfler comme un ballon et devenir aussi gros que la planète. Retenir son souffle, contempler et se dégonfler pour reprendre sa petite place sur la Terre. Voilà la manière d'observer le contexte, passer de macro à micro ou de micro à macro, comme à chaque inspiration et expiration. Au niveau social, la France craque d'un pouvoir délaissé au marché financier, gourmand et inflexible devant l'augmentation des inégalités. Les grèves n'en finissent plus, passant par tous les secteurs d'activité, éducation, transport, santé, justice, services publics et même dans le privé. Le rôle protecteur de l'État-providence est volontairement redistribué aux actionnaires. Aussi, comment envisager les élections de 2020 pour l'apport social que les maires peuvent nous proposer ? Dans le social se comprend la sécurité de vivre sur un territoire en matière de ressources, eau, alimentation, énergie, mais également en termes de services publics associés à la santé, l'éducation, etc. Au niveau économique, le monde est en berne. La baisse drastique des ressources naturelles nécessaires au principe même du système de croissance se tarisse. La course à l'énergie a débuté à travers le monde, engendrant les hausses de conflits. N'oublions pas que les guerres sont toujours économiques. Cette tendance fragilise les marchés financiers qui voient d'un mauvais œil la récession s'installer et craignent une perte de profit. Toutes les mannes financières disponibles semblent avoir été levées, le numérique en est la dernière. Les traders, grâce à leurs méga ordinateurs, amplifient leurs profits par la spéculation. Rien n'a été appris ni modifié depuis la crise de 2008. Au contraire, tout s'est accéléré jusqu'à attendre le prochain élément déclencheur de la méga crise financière. Le coronavirus, d'ailleurs, pourrait bien être un facteur décisif si sa propagation continue à défier l'humanité. Pour terminer, le réchauffement climatique s'est amplifié et nous promet de découvrir les jours futurs de manière de plus en plus extrême.
au point que les assurances sont aujourd'hui en incapacité de rembourser les catastrophes naturelles en cours à travers le monde, l'endettement s'accumule, et là il ne s'agit pas de vouloir trop dépenser dans les services publics, l'empreinte carbone et la destruction de la biodiversité nous promettent une chose, la fin de la mondialisation progressive. Aussi, si la mondialisation disparaît et si l'État se désengage, que reste-t-il ? Moi, ou moi et ceux avec qui j'aurais collaboré pour construire une autonomie locale capable de supporter les impacts de l'effondrement de cette mondialisation basée sur le consumérisme et donc sur la destruction de notre planète. C'est sur ce point que réside aussi un autre élément de notre désengagement en tant qu'électeur. Certes, l'équipe municipale détient les rênes, mais qui a dit que nous n'avions pas à participer plus à la vie municipale ? La confiance dans un projet d'avenir passe par des liens, ceux justement qui ont été rompus par l'émergence de la mondialisation et notre mise en quarantaine à l'abri de la politique, mais bien en proie au matérialisme. Voilà pourquoi voter prend une toute autre dimension lorsque le contexte actuel, notre positionnement individuel et le projet collectif nécessaire se confrontent. À nous en toute conscience de trouver cet équilibre, mais une fois validé, ce n'est pas terminé. Vous apprécierez l'atmosphère délétère bourrée de fake news et propagandistes actuels. Aussi, il est impératif de creuser un peu plus. Après tout, un programme n'est juste qu'une feuille de papier, une campagne n'est que de l'oral, et contrairement à nous, aucun contrat de travail n'est signé, pouvant permettre un licenciement si le programme n'est pas appliqué à la lettre, ou bien encore si une faute grave est commise. Aussi, il est important de se renseigner un peu plus sur les candidats, leur passé politique, leurs liens, pour entrevoir la duperie s'il y a. Internet et les réseaux sociaux s'en donneront à cœur joie de vous apprendre davantage sur celui qui va diriger votre commune pendant 6 ans. 6 ans. C'est-à-dire que nous serons au seuil des 1,7 degré de réchauffement et que les moyens qui auront été mis en œuvre par cette équipe municipale seront décisifs dans notre capacité d'adaptation. Pour rappel, il y a urgence climatique. Fermez les yeux. N'oubliez pas. Gonflez-vous comme un ballon et devenez aussi gros que la planète. Retenez votre souffle. Contemplez. Et dégonflez-vous pour reprendre votre petite place sur la Terre. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? Oh ! Oh ! Oh ! C'était un pur délire. J'ai trouvé ça quoi, Green, oui. Green, comment? Oh, super Green. Aussi Green que ça peut être. Green, la puissance des Green, tu vois? Alors tu vois, la Green, absolument. Green, plus Green.